الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين louange à Allah, nous le glorifions. Nous lui demandons son aide et implorons son pardon. Nous croyons en lui et en lui nous plaçons notre confiance. Nous cherchons protection auprès de lui contre tout mal venant de nous-mêmes et contre les méfaits de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Histoire de Qarun ou Corée. Frères et sœurs de la foi et de l'islam, Qarun ou Corée était un cousin du prophète Moïse alayhi salam. Mais cet ennemi d'Allah n'a pas du tout profité la contemporanité de ce noble prophète qui est Moïse, que la prière d'Allah soit sur lui et sur notre bien-aimé prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et malgré ses liens de sang avec Moïse, il était exactement à l'opposé en tout de celui-ci. Allah lui donna une quantité de trésors, tels que leurs clés auraient fait ployer sur leur poids un grand nombre d'hommes unis et forts. Mais il était un vrai ingrat et hypocrite, à cause de sa tyrannie et son insolence. Allah l'a anéanti, lui, sa maison et toutes ses richesses, à cause de son arrogance. Allah Azzawajal dit à son propos, « En vérité, Corée, Qarun, était du peuple de Moïse, mais il était empli de violence envers eux. Nous lui avions donné des trésors dont les clés pesaient lourd à toute une bande de gens forts. Son peuple lui dit, « Ne te réjouis point, car Allah n'aime pas les arrogants. » Allah Azzawajal n'aime pas les corrupteurs et ceux qui ne reconnaissent plus les bienfaits d'Allah. Emploie les biens qu'Allah t'a accordés à gagner la demeure dernière, sans négliger pour cela ta part en ce monde. À travers ces biens incommensurables qu'Allah t'a accordés, recherche la demeure ultime, le paradis, sans pour autant oublier ta part de ce monde. En s'approchant d'Allah par des œuvres pies et des différents actes d'adoration, afin d'obtenir la récompense dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Ta part dans ce monde consiste à utiliser ces biens pour ceux qui ont des droits sur toi, ton corps, ta famille, ton épouse, tes proches et les nécessiteux. Et montre-toi bon comme Allah s'est montré bon envers toi. Et fais les œuvres de charité aux pauvres et montre-toi reconnaissant envers lui. Allah Azzawajal lui dit encore et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné la demeure dernière. Et n'oublie pas ta part en cette vie. Et sois bienfaisant comme Allah a été bienfaisant envers toi. Et ne recherche pas la corruption sur terre, car Allah n'aime point les corrupteurs. C'est-à-dire, ne favorise pas le vice sur terre, en semant la corruption parmi les hommes et nuisant aux autres, car Allah n'aime pas les corrupteurs. C'est pourquoi Allah Azzawajal dit ensuite à son propos, « Il sortit à son peuple dans tout son apparat. » Ceux qui aimaient la vie présente dirent, « Si seulement nous avions comme ce qui a été donné à Corée. » Il a été doté, certes, d'une immense fortune. Tandis que ceux auxquels le savoir a été donné dirent « Malheur à vous, la récompense d'Allah est meilleure pour celui qui croit et fait le bien. Mais elle ne sera reçue que par ceux qui endurent. Nous fîmes donc que la terre l'engloutit, lui et sa maison. Aucun clan en dehors d'Allah ne fut là pour le secourir. Et il ne put se secourir lui-même. Et ceux qui, la veille, souhaitaient d'être à sa place, se mirent à dire « Ah !» Il est vrai qu'Allah augmente la part de qui il veut parmi ses serviteurs ou la restreint. Si Allah ne nous avait pas favorisés, il nous aurait certainement fait engloutir. Ah, il est vrai que ceux qui ne croient pas ne réussissent pas. Cette fin néfaste sera la part de quiconque prétend que ce qu'il reçoit de bien fait en vue de son mérite et non par la grâce d'Allah qu'il engloutit sous terre, lui et son palais. Sa fortune et toute sa puissance qu'il prétendait détenir fut incapable de le protéger contre le châtiment d'Allah. Sa perte fut consommée. Ceux qui l'enviaient la veille disaient alors, « Certes, Allah prodigue ses richesses ou les mesures à qui il veut. Si Allah nous avait comblés de ses biens, nous aurions été engloutis comme lui. » Les incrédules ne prospèrent pas. L'histoire de Corée sert également d'exemple pour tous ceux qui ne croyaient pas au fait que seul Allah est le dispensateur de richesses et que lui seul élève et abaisse qu'il veut. Puis pour clore cette histoire, Allah Azzawajal dit « Cette demeure dernière, nous la réservons à ceux qui ne recherchent ni à s'élever sur terre,
ni à y semer la corruption. Cependant, l'heureux saint appartient aux pieux. Voilà, frères et sœurs de l'islam, prière et salut sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour du jugement dernier. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.